Bonjour chers amis, nous avançons dans cette saison du titre 2011-2012 pour évoquer à l'heure pratiquement de enfin souffler à la trêve hivernale. Tout ce qu'il s'était passé depuis le début du mois d'août était très encourageant à tout le moins. Et puis il va y avoir ce mois de décembre que nous allons évoquer aujourd'hui avec Romain Pitot qui fut l'un des premiers en première ligne ou quasiment à vivre ce mois particulier parce que ça va être le plus épouvantable, on va dire ça, Rémi, Romain, de cette saison. Ouais, c'était l'année du titre, c'était le mois le plus compliqué parce qu'on a pas, enfin on l'a bien abordé déjà ce mois de décembre avec une victoire, mais jusque la trêve ça a été très poussif. Voilà. Alors comme tu viens de l'évoquer, ce mois de décembre démarre, nous sommes en tête du championnat au moment de recevoir Lorient que nous allons poliment écraser 4-0. Malheureusement, on était loin de s'imaginer ce qu'il allait se passer derrière. À commencer par la défaite à Valenciennes. C'est la défaite qui met un terme à une série de 8 matchs sans défaite. Alors, pour le moins, nous étions très enthousiastes et on est un peu douchés par cette défaite à Valenciennes. Honnêtement, inattendue. Ouais, ben on s'y attendait pas parce que bon, c'est vrai qu'on était performant sur nos déplacements et là c'est vrai que ce déplacement à Valenciennes nous a fait mal parce que bon on perd 1-0 dans le Nord et bon on n'est pas au mieux voilà après cette défaite. Ouais. Homme de vestiaire, homme de banc à ce moment-là, Romain Pitot, ça doit un peu chauffer dans le vestiaire ou est-ce qu'on est encore empreint de sérénité? Non, on est déçu, mais il n'y a pas non plus le feu à la maison. Ça reste une défaite à l'extérieur. Notre parcours est très honorable à ce niveau-là de la saison. Non, il n'y a pas le feu. Honnêtement, il n'y a pas encore le feu à ce niveau-là. Ouais. Alors, il n'y a pas le feu parce qu'on sait ce qui se passera ensuite, mais pour le coup, ça sent un peu le roussi. Parce qu'après cette défaite à Valenciennes, va suivre un match nul à domicile contre Toulouse un partout. Bon, là, quand même, on se dit, il est peut-être temps de souffler à minima. Ouais, voilà, après, ben justement, comme tu l'as dit, après cette défaite à Valenciennes, le plus important pour nous, c'était de réenclencher une dynamique positive chez nous à la Mosson. Et ça n'a pas été le cas. Voilà, ça n'a pas été le cas. Il y a ce match nul contre Toulouse qui arrive. Donc, qui nous remet un peu le feu, quoi, par rapport au dernier match qui va se produire à Évian-Thonon-Gaillard. Alors bon, le moteur tousse et pendant ce temps, nos ennemis jurés parisiens, eux, cartonnent. Hein, parce qu'ils vont réussir durant ce mois de décembre 3 victoires et 1 nul. Donc eux sont lancés plein bourre. Pendant que nous, on tout saute un peu sur la dernière ligne droite avant les agapes. Et on va même gravement tousser. C'est la grippe à Évian, puisque c'est là que nous allons affronter cet adversaire qui nous aura mis des bâtons dans les roues toute la saison en même temps. Autant au match aller qu'au match retour du reste. Nous allons perdre 4-2 ou à Évian, là c'est terrible. Ouais, c'est terrible parce que bon, c'est le dernier match de la saison. Après il y a la trêve hivernale. On est sur une mauvaise dynamique, donc c'est sûr que c'est pas l'idéal pour recharger les batteries et pour entamer la deuxième partie de saison. Voilà, au vu de ce qu'on avait fait depuis le début, là on commence à se dire, j'espère que voilà, ce mois de décembre nous a pas plombé et va pas nous gâcher la suite de la saison. A juste raison, Romain, parce que depuis le début de cette saison historique, c'est le pire des mois. Vous n'avez pris ce mois de décembre-là que 4 points sur 12. Alors, dans la peau d'un outsider qui se prend à rêver, est-ce que globalement, quand arrive la trêve hivernale, vous vous dites « bon, mais voilà, quoi, le rêve est terminé ou pas ?» Non, on se dit pas le rêve est terminé parce que bon, quelque part nous en début de saison on n'est pas programmé pour jouer le titre. Donc je vais dire c'est le rêve est pas terminé. Mais bon c'est je vais dire on est déçu parce que voilà on a l'impression de gâcher quelque chose sur ce mois de décembre. Et heureusement la suite nous prouvera le contraire. Mais voilà on est déçu. On a toujours cette ambition là de faire le mieux possible. Donc je vais dire il y a une grosse déception voilà, après ce mois de décembre. Que dit l'expérimenté Romain Pitot dans le vestiaire quand on rentre du 4-2 à quelques heures de partir en vacances pendant cette trêve-là? Que va dire Romain Pitot? Quel est ton rôle à ce moment-là dans le vestiaire?
Déjà, on écoute. On écoute le coach. Qui souffle. Qui souffle, qui nous a dit des choses aussi. Le vestiaire a tremblé à Épinon-Thonon Gaillard. Et je vais dire, voilà, mais là, non, le plus important, il n'y avait pas de mots particuliers. C'était de recharger les batteries, de partir en vacances. Et par contre, il fallait remettre le bleu de chauffe en janvier. Là, je vais dire, il n'y a pas grand-chose à dire dans ces moments-là. Tout le monde est déçu. Tout le monde sait qu'on n'a pas été bon sur ce mois de décembre. Donc, ça sert à rien de rajouter de l'huile sur le feu. Dans ces moments-là, il faut savoir prendre un peu de recul. Mais par contre, il faut savoir réagir au mois de janvier. Ouais. Voilà. Une victoire contre Lorient, une défaite à Valenciennes, un match nul contre Toulouse et une glaciale défaite à Évian. Je vous souhaite de très mauvaises vacances de fin d'année. Vous vous rappelez de cette phrase-là ? Oui, on s'en rappelle bien. Ouais, ouais, ça a résonné dans les oreilles. Le coach était pas satisfait, à juste titre, hein, d'ailleurs. Pas que le coach, aussi au niveau du club aussi, il y a eu quelques déceptions. Mais bon, ça fait partie des choses. Et je pense que ça nous a piqué. Voilà, c'était la bonne formule. Ça nous a piqué parce qu'on avait quand même un groupe qui était assez orgueilleux. Donc c'était la bonne méthode. La bonne méthode qui, quelque part, et c'est malin de la part de la génération 2012 du MHSC, leur a permis, si j'ose dire, d'offrir le titre honorifique de champion d'automne au Paris Saint-Germain. Qu'en pensait donc le président Loulou Nicolin ? Ben, au même titre que le coach, voilà, il nous a pas fait que des éloges. Je me rappelle du Noël du club cette année-là. C'était son discours était très bref à notre égard. Donc il n'était pas satisfait de cette période-là. Et il vous l'a fait savoir, comme quoi il y croyait. Voilà, ouais, c'est ça, il y croyait avec son expérience, il savait qu'il y avait la possibilité, donc c'était aussi sa manière à lui de lui montrer son mécontentement, mais il était très attaché, il savait qu'on pouvait faire de belles choses, donc il voulait voir de quoi on était capable et c'était sa façon à lui de nous faire réagir. Mais nous étions dans la roue, 40 points pour les Parisiens, 37 pour nous, second à la trêve hivernale. Merci infiniment, je ne vais pas dire Romain de t'être sacrifié pour parler du pire mois de cette année, mais il fallait l'évoquer et vous étiez bien placé pour ça. Merci Romain. Merci attends, Philippe. Bonne merci année à l'année prochaine. Ouais, à la paillade. Ouais, Père Noël. Feliz Natal, un prospero nuovo.